On va préparer l'anglaise, une eau bouillante pour cuire les légumes. Voilà, j'y vais. À feu doux? À feu vif. À feu vif. À feu vif, comme ça on va cuire nos carottes. Tu nous dis, hein? Voilà. Ensuite, on va faire la marinière de coquillages. On va mettre une pointe de vin blanc. Beurre, vin blanc. Parfait. Je te donne des échalotes. Et le vin blanc. On va mettre des échalotes, c'est vrai. Tout de suite. Voilà, tu peux mettre des échalotes. Et le vin blanc, ensuite. Voilà, on va faire très bien, super. Alors les coques, on va les rincer. Alors les coques, j'ai juste rincé. Juste les ouvrir. On va les cuire quelques minutes. Juste le temps qui s'ouvre. Tu comptes combien de minutes? On va compter 2-3 minutes. Voilà. Même pas. Donc, quelques-unes qui commencent à s'ouvrir déjà, elles commencent à s'éclater, c'est super. Voilà. Et ensuite, on va les réserver. Dans le jus? Dans le jus. On va les laisser. L'induction, c'est très très bien. Tu vois, ça s'ouvre à vite. Ça commence à sentir bon. Ouais, ça va donner un petit peu. Il faut trop les remuer parce que autrement la chair elle s'en va de la coquille. Voilà, on va éteindre sous le feu. Alors on éteint. Voilà, donc laisser juste comme ça dans le. Et on réserve. Voilà. Donc là on attend juste pour les carottes. Quelle est l'ébullition. On peut pas mettre plus fort, Et, ouais, ça va monter d'un seul coup. D'accord, ok. Voilà. Entre temps, on va assaisonner notre viande. Sel, poivre, voilà. Sur un côté, sur les deux côtés. Les deux côtés. Voilà. Donc c'est un filet mignon de porc. De la région. On les retourne. Voilà, exactement. Voilà, ça c'est fait. Voilà, c'est là. Et petite précision, Henri, on garde. Alors on garde les petites chutes qu'on va mettre autour des filets mignons et comme ça va nous apporter un peu de sucre et puis un peu de saveur au jus. Voilà. Parfait. Voilà. Donc alors, ça ensuite, va mouiller. On va mettre un petit sautoir pour les filets mignons de porc avec toujours un peu de matière grasse, un peu d'huile d'olive. Exactement. Et un petit peu de beurre que je vais te donner. Merci. Voilà. Donc là, l'eau va pas tarder à bouillir ici. Oui, on va plonger juste les carottes.
Et ensuite, uniquement les carottes dans un premier temps. Les carottes, et ensuite on va les enrober en fin de cuisson. Et en termes de cuisson de carottes, tu comptes combien de temps ? On va cuire 5 minutes. 5 minutes. Voilà, et après on va les refroidir dans une glaçante. Voilà. Alors tu peux peut-être expliquer pourquoi est-ce qu'on va les mettre après dans l'eau, dans l'eau glacée après la cuisson des carottes. Ça va arrêter la cuisson des carottes déjà. Voilà. Et ensuite ça permettra de les tenir. Et puis après on va les enrober dans le fond qu'on va faire à base de vinaigre de cidre de chez François Seydic. Et on va déglacer avec un peu de cidre aussi. Un blanc d'Armorique. Parfait. Et pour le déglaçage, on va préparer notre bouteille tout de suite. Tout de suite, exactement. Avant. C'est un vinaigre de cidre bio et un cidre bio. Production de ce foinant. Voilà. Allez. Voilà, alors on va mettre les médaillons. Donc les médaillons, tu m'as dit qu'on allait compter. Voilà, on va les compter, on va les faire colorer et on va les cuire en 5 petites minutes de chaque côté. 5 petites minutes de chaque, parce que là ça va assez vite déjà. On pourra pas, on va le faire en deux fois. Donc soit on coupe nos médaillons tout de suite. Ouais, alors ou on laisse le filet mignon en entier et on le coupe après. On peut couper après. D'accord. Il y a deux formes de. Donc je réserverai mes petits morceaux tout à l'heure pour pouvoir avoir mon fond de sauce. Exactement. Voilà, on va pouvoir plonger les carottes. Alors les carottes, hein. C'est dans parti. Dans la chauffante. Voilà. Voilà. Et on compte 5 minutes. On va compter 5 petites minutes. Voilà. Voilà. Donc, ça a de l'arôme, ça a de l'odeur. Déjà. Voilà, on va aller. Ouais, les sucres commencent à arriver. Ah, le médaillon, voilà, on va laisser encore un petit peu de cire. On va laisser. Pour donner un peu de coloration. Donc forcément, si on laisse le filet mignon en entier, on va compter plus de cuisson. Ce sera une vingtaine de minutes. Voilà. Donc à bien noter, 5 minutes si vous coupez vos médaillons. Sur un centimètre. Et une petite vingtaine de minutes. Exactement. Si vous laissez votre filet mignon entier. On est bien d'accord. Voilà. Après, ça dépend les cuissons aussi. Les gens qui préfèrent le porc bien cuit. Tu laisses ta cuisson toujours à feu vif? Ou est-ce qu'à un moment donné, on peut réduire un tout petit peu. On va pouvoir ralentir. Voilà. Mais là, on va laisser encore saisir. D'accord. Donc là, on va pouvoir bientôt les retourner. Il faut que ça soit bien coloré, ça manque un tout petit peu. Oui. Voilà. On va pouvoir tout à l'heure les nourrir. Enfin, après, là, alors, je vais le faire, je vais l'exécuter. Alors, pourquoi le thème nourrir la viande? Nourrir, c'est-à-dire qu'on apporte de la matière grasse. D'accord. Et ça va donner du goût en même temps au produit. Voilà, on va remettre. Attendez. Alors cette recette là aussi on peut la faire avec un filet mignon de veau. Ce sera un peu plus long en cuisson. Mmh. Et ça, on peut réaliser aussi. Après, on peut mettre différents légumes. Il n'y a pas de souci aussi. On peut mettre des légumes de saison. Ça peut être de l'asperge. Ça peut être du chou-fleur aussi en période, de l'artichaut aussi. Voilà. Donc, d'accord. C'est suivant un peu la saison. Alors, on va retourner les médaillons de cochon. Donc, ils sont bien dorés. Ils commencent à prendre de la coloration. Voilà, super. Magnifique. Voilà. Voilà. On va les laisser quelques minutes encore et ensuite on va les débarrasser. Voilà. Voilà. On va diminuer un petit peu, Séverine, le feu. Donc je me mets en un. Voilà, tu restes. Voilà, j'ai réduit un petit peu. Voilà. Là, on va laisser finir la cuisson. Finir la cuisson. On va laisser le filet un peu plus longtemps que les autres. Là, on a nos carottes. En train de. Alors les carottes, il nous reste une minute, ouais, bah, une grosse bien. Minute de cuisson. Voilà, bah, c'est très bien. Avant de pouvoir les sortir. C'est parfait. Voilà, on va pouvoir débarrasser les médaillons. Voilà, on va laisser quelques minutes encore. Voilà, on y a 7, c'est très bien.
était à, voilà, on était à 7 pour la viande, on l'a réduite. Ouais, hein. Ouais, on est bien au niveau. Donc les carottes. Là, les carottes, il va rester. Il nous reste quelques secondes et ça bout tranquillement. Je le laisse cuire encore une petite minute. Voilà. Dans l'eau. Et, ouais. Donc. On va les plonger dans une eau glacée. Les carottes sont presque prêtes. Voilà. Je vais juste débarrasser le poste de travail. Alors, tu vas prendre une petite écumoire. Voilà. Et on va juste sonder là au niveau cuisson avec un couteau d'office qui est là-bas. Donc sonder veut dire piquer pour vérifier effectivement encore deux petites minutes. La cuisson. Voilà. Voilà, tu vas pouvoir enlever les médaillons de cochon. Donc on les réserve. Voilà, on les réserve, exactement. Juste les médaillons. Alors ça, c'était le timer pour les carottes. Tout à fait. Sur lequel on prolonge deux minutes. Deux minutes. À cœur. À cœur. Voilà, tu laisses cuire celui-là. Celui-là, il va finir de cuire tranquillement. Voilà, tranquillement, on va mettre les autres médaillons. Alors. Je vais peut-être mettre ça aussi, Henri. Ouais, attends, pour notre sauce. On va d'abord faire les médaillons. On va faire les médaillons et ensuite on mettra les. Voilà. Et ensuite on pourra mettre. Voilà. Les parures de viande, de cochon, qui va nous donner du goût dans la sauce, quoi. Alors moi je vais en refonder une autre. Je vais prendre une plus grande. Ouais. Une petite minute encore. Donc en fait, on est quand même parti sur des produits locaux et sur intérêt bien mère. Exactement, parce qu'on va on va ajouter les coques de l'estran sur une viande. Donc ça va nous apporter terre et mer. Donc ça cuit tranquillement. Voilà, très bien. Excuse-moi. Voilà. Parfait. Alors, nos carottes, on est peut-être proche voilà, du but. Vas-y, tu vas les sonder. Je les sonde à nouveau. Sonde, après, je vais prendre la plus grande. On est pas mal. Ouais. Tu l'avais un peu croquante. Ouais, parce qu'après, elle va finir. Je pense qu'on est bien. On est bien, là. Je pense que très bien. Ouais, on est bien. Voilà. Voilà, donc on sort ces carottes. On sort les carottes. Et vous les plongez tout de suite dans une eau glacée. Pour. Pour arrêter la cuisson déjà. Stopper la cuisson. Voilà. Là, on a une jolie coloration aussi. On est pas mal. On est très bien, on attend. Voilà, on a quelques. Donc gardons l'eau de cuisson pour les blettes. Pour les blettes, on va pouvoir plonger les blettes aussi dedans. On y va ? On peut aller. C'est parti. On peut aller dedans. On va prendre ça. Voilà, juste comme voilà. Ça. Là, on va laisser quelques minutes. La blette, tu l'as cuit combien de temps? Bon, la blette, on va la cuire à peu près 3 minutes. Voilà, d'accord. Pas plus. Juste, et pareil, elle termine dans l'eau avec les carottes. Voilà, exactement. Ok. Voilà, là, on va pouvoir enlever les médaillons. Donc, tu vas pouvoir les enlever. Et là, on va rajouter les parures du filet. Tu rajoutes tout? Voilà, on va rajouter tout. Je t'aide. Voilà. Tu auras un feu plus doux, hein. On n'augmente pas notre température de feu. On va laisser toujours sur la cuisson. Très bien. On va faire bien revenir, on va faire bien décoller les sucs en même temps, comme ça. Donc là, les petites blettes. Ouais, la petite blette, ça va être. Ça cuit tranquillement. Voilà. On va garder le côté vert, le côté chlorophylle. Donc on les fait pas, on les porte pas à ébullition. Hein. Une petite ébullition quand même. Une toute petite. Ouais, une petite d'accord. C'est très tendre ces blettes. Voilà. Voilà.
Attends une petite minute. Bon, ça y est, ça commence à frémir. On va pouvoir après enlever les blettes. Alors là, on va faire bien pincer les petits déchets de viande. Les petites parures de viande, pardon. Il va nous donner du goût. Bah, ça donne faim. Il va nous donner du goût au petit jus. Au petit jus. Voilà. T'es pas en manque d'inspiration, hein? Jamais, hein? Non, bah on essaye de trouver toujours quelque chose qui peut être de partir d'un produit et de le finir. Tu fais beaucoup d'alliances terre et mer? Ouais, ça m'arrive. Oui, j'aime beaucoup. D'accord. J'aime bien. Poisson, coquillage. Comme avec le foie gras, on peut mélanger le foie gras avec du homard, de la langoustine. Enfin, les différentes choses, quoi. Prochaine recette? Voilà, peut-être prochaine recette, exactement. Voilà. Donc là, on va... Alors, je pense qu'on est pas mal, ouais, sur les blettes. Aussi, sur la blette, voilà. On va l'enlever. En termes de timing, on a presque 4 bonnes minutes, Henri. Hein. Je les enlève. Tu les enlèves. Ouais, parfait. Je les enlève et direction l'eau froide. Voilà. Donc là, nos cuissons sont stoppées. Voilà, on va stopper, on va débarrasser. Là. On va débarrasser notre cocotte d'eau. Et on va pouvoir se concentrer sur la viande. Hop. Bien faire pincer les sucres, Séverine. Alors celui-là, par contre, voilà, on ne devrait pas être loin de la fin de la cuisson. On va les laisser encore un petit peu. Voilà. Et là, tout à l'heure, on va déglacer avec un vinaigre. Ah, on va déglacer avec le vinaigre et le cidre. En même temps, l'un après l'autre. On va faire juste. D'abord, on va commencer par le cidre. Et ensuite. Et tu termines par le vinaigre. Et on mettra une petite goutte de vinaigre dedans. Voilà. J'aime bien ce vinaigre-là. Alors pourquoi terminer par le vinaigre? Ça va donner un peu d'acidité. Donc celui-là, c'est un cidre assez brut quand même. Mais bon, j'aime bien le côté. D'accord. Petit côté vinaigré. Voilà. Et on va mettre aussi un peu de cuisson. De coque de la marinière. Du jus de cuisson. Du jus de cuisson. D'accord. Enfin, voilà. Pour donner un côté iodé, ouais, à ta sauce. Voilà, c'est ça, en même temps. Ok, très bien. Bonne idée. Voilà, on va pouvoir débarrasser le morceau. Alors, voilà, je vais débarrasser le morceau de filet mignon. Voilà. Là, on va pouvoir pincer. Voilà. Là, tu vas pouvoir entrer, déglacer. On va coller un peu les sucres là, et ensuite on va pouvoir déglacer avec deux bonnes cuillères à soupe de cidre. D'accord. Donc quand on a l'habitude, c'est vrai que c'est plus facile d'y aller directement à la bouteille. Voilà, mais après on peut... Et l'équivalent, c'est deux cuillères à soupe, grosso modo, de cidre, pas plus. Tu me dis, quand est-ce qu'on peut exécuter? Voilà, ça commence à prendre de la... Ça colore bien, ouais, tout à fait. Voilà, on n'a pas besoin de dégraisser parce qu'il y a très peu de graisse. On était parti sur quelque chose d'assez pas trop gras, parce que déjà dans la viande il y a du gras, ça fait la peine de rajouter du gras. Donc là, Séverine, tu vas pouvoir déglacer. Allez, au cidre. On est parti. Voilà. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, voilà un petit peu de vinaigre. Après, tu peux mettre un petit peu de vinaigre. D'abord, le jus d'écoque. Un peu de jus d'écoque. Voilà, donc, on prend quoi? On prend l'équivalent deux cuillères. Donc, pas compliqué. Voilà. Deux cuillères à soupe de cidre pour déglacer. Voilà. Et deux cuillères à soupe de jus de coque. De jus de coque, pardon. Voilà. Je vais juste reposer ces demoiselles. Un petit peu de fond de veau. Un petit peu de fond de veau. Petit fond de veau léger. Donc on va mélanger tout, ça sent divinement bon. Voilà. On va laisser réduire un petit peu. Un petit peu réduire. Voilà, on va peut-être rajouter encore un petit verre d'eau. On va rajouter un petit verre d'eau. Un récipient avec de l'eau. Alors, je vais aller chercher ça. Je vais rajouter encore un peu de fond de veau. Assez en eau. Voilà, un petit peu d'eau. Donc, petit peu d'eau voilà, sur la deux sauce. Cuillères à soupe, voilà, un petit peu, voilà. Ça te va? Ouais, c'est très bien, très bien. Voilà.
On va assaisonner, on va mettre juste un petit peu de sel, un peu de poivre aussi. Alors, un peu de sel, un peu de poivre. Voilà. Donc en fait, là, on est en train de préparer la base de notre sauce. Voilà, très bien, voilà, exactement. On va préparer nos sucres. T'as une petite astuce pour utiliser ce qui reste du filet mignon ou pas ? On pourrait le hacher pour faire des petits farcis, des choses comme ça. Dans des légumes ? Dans des légumes, exactement. Ou dans une pomme de terre ? Dans une pomme de terre, par exemple. D'accord. Ça serait très bien. Parce que c'est toujours intéressant d'utiliser aussi... Zéro déchet. Voilà, exactement. Voilà, on va laisser cuire quelques minutes. Donc on laisse réduire 4-5 minutes ? Même pas. Même pas. 2-3 minutes, d'accord. Parce que ça va bien avec l'induction. Ok, alors il nous reste notre vinaigre. Voilà, on va déglacer un petit peu au vinaigre aussi. On y va ? On peut mettre juste un petit peu. Voilà. Voilà. Très bien comme ça. Voilà. Donc, le vinaigre. Donc vraiment quelques gouttes. Ouais, c'est juste à rigueur. On peut le mettre à la fin, ça pose pas de problème. Donc l'équivalent d'une toute petite cuillère à café. Ça sera parfait. On va diminuer le feu. D'accord. Pour la réduction. Voilà, et on va passer la sauce au chinois. Très bien. Dans une casserole. Voilà, et on va monter tout ça légèrement au beurre. Et ensuite, on va dresser l'assiette. Donc voilà. On va chauffer tranquillement le fond de sauce. Ensuite, on va rajouter quelques petites parcelles de beurre juste pour faire le liant avec la sauce. Donc on prend l'équivalent d'environ 10 grammes de beurre. Ouais, voilà. Même ce que tu as là, c'est très bien. On va rajouter un petit peu la cuisson des... Le jus de cuisson du cochon, là. Du cochon dans la sauce. Dans la sauce, qui va donner du goût en même temps. Voilà. Et sur un feu moyen ? Ouais, on peut aller sur un feu moyen. D'accord. Voilà. On va chauffer la patate douce. Alors, Henri, tu as préparé une mousseline. Oui, j'ai préparé une mousseline de patate douce. Mon chef. Parti sur un petit côté un petit peu plus sucré, voilà. Mais il y a d'autres aussi accompagnements qui peuvent être intégrés à la recette. Bien sûr, tout à fait. On peut aller sur une pomme de terre, on peut aller sur plusieurs choses. Ça apporte un petit côté peut-être plus doux. Ouais, plus doux. Sur l'alliance du terre et mer. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord, donc là moi je vais incorporer. Voilà, attends que ça boue, voilà. On laisse vraiment bien réduire. Voilà, un petit peu de manière. Alors juste une petite question pour toutes ces personnes qui exécuteront la recette. Oui. À partir du moment où effectivement notre fond de sauce a frémi, on va incorporer le beurre. La parcelle de beurre dedans. Voilà, mais par contre on coupe le feu ou on le garde ? On peut le garder et après on le tout doucement on diminue. On peut le garder, après on peut voilà, le donc là ça commence à frémir. Voilà. Alors on va attendre, on va mettre juste la petite parcelle de beurre. On y va ? Ouais, on peut y aller. C'est parti. Voilà. Et on remue avec une cuillère. Voilà, comme ça. Et là, on va avoir quelque chose, un petit jus légèrement. Une sauce un petit peu plus liée. Ouais, liée, voilà. Voilà. Légèrement. Hein. Donc finalement, la sauce que l'on a faite, c'est une sauce qui va être légère par rapport à la recette. C'est un jus. Si c'est un jus. On reste sur un jus. D'accord. D'accord. Voilà. On va débarrasser ça. On va débarrasser le sautoir. On va mettre nos médaillons de cochon dedans, nos légumes, et on va réchauffer tout ça. Dans la cocotte. Dans la cocotte. Dans notre sauce. Voilà. Après, on aurait pu réchauffer au four la viande, mais. Petit côté plus convivial, voilà. Et tendance après, quand même, les cocottes. Voilà, les cocottes en même temps, exactement. Tout à fait. Voilà, donc là on a une sauce qui est joliment liée. Joliment liée, on va la laisser encore un petit peu réduire. Voilà. Alors ça, on va chauffer un petit peu la patate douce aussi. Ah, je vais la faire chauffer sur l'autre feu. Voilà, parfait. Comme ça, on va pouvoir tout exécuter en même temps après pour notre dressage. Exactement. Voilà. Alors, on va mettre. On va allumer un petit peu. Je rallume. Tu rallumes le sous la poêle. Sous la poêle tout doucement. Tout doux. Donc je me suis mis sur un feu modéré. On va ajouter les médaillons. On va égoutter légèrement les légumes pour réchauffer le tout.
qu'on va enlever la sauce. On va mettre d'abord les carottes. C'est une recette assez rapide quand même. C'est une recette qu'on peut faire à la maison. Nous on le fait rapidement parce qu'on est. Voilà. Donc là, je vais enlever mon bac. On va mettre tous les petits. On va mettre les carottes, mais tout doucement. À chauffer aussi. Très bien. Parfait. On va mettre un peu de jus de cuisson. Est-ce que tu as assez de carottes ou je t'en donne à nouveau? Je pense qu'on a assez. On a assez. Donc les blettes, on les réserve pour l'instant. Tout à l'heure, on va les bien les. On les mettra. Je vais délicatement, pour ne pas abîmer le feuillage, de la blette. Voilà. Laisser quelques secondes à mijoter. On a gardé la sauce. La sauce, elle est parfaite. Est-ce que tu as besoin de la maintenir à chaud? Non, on a besoin juste de. D'accord, très bien. Comme ça, puis on va Alors, moi, je vais aller autour de la mousseline, de patate douce qui est chaude. Et on va prendre les. Voilà. Donc, une mousseline onctueuse, par contre. Voilà, on a un peu de gras. Beurre, comme d'habitude. Voilà, mais bon, c'est le goût. On est en Bretagne. Voilà, très important. Voilà, on va pouvoir après. Alors pour moi, c'est prêt. Elle est chaude, elle est réchauffée comme il faut. T'as rajouté une petite touche de cidre. J'ai rajouté une petite touche de cidre. Pour avoir un petit goût. Voilà, pour que ça réchauffe un peu plus de pommes. Voilà, de pommes. À la dernière minute. Exactement. D'accord. Ensuite, on va dresser les assiettes. On est parti pour le dressage. Alors, moi, j'ai envie de laisser David qui t'accompagne tous les jours en cuisine si tu veux. Pour venir faire le dressage. Et moi, je goûterai plus tard. David, il va nous dresser l'assiette. Ouais, vas-y. Très bien. Voilà, tu te mets là. Alors, la mousseline, c'est venu la chauffer. Donc là, on a fait une recette pour 4 personnes. On a hâte de goûter quand même, voilà. Parce que ça sent très, très bon. Voilà. Donc la base, notre la base, mousseline. Une mousseline de patate douce. Mousseline ou autre accompagnement que vous aurez décidé. Ça peut être une purée de pommes de terre aussi, tout simplement. Ou une purée d'artichaut, c'est très bon aussi, la purée d'artichaut en saison. Et là, on laisse mijoter. Et ensuite, tu peux dresser, David. Voilà, tu les dresses. Juste un peu. Voilà, écoutez, voilà, juste. Oui, alors il faut préciser qu'effectivement, quand on sort effectivement les viandes des cuissons, c'est plus facile pour un joli dressage de les laisser un petit peu reposer quelques instants pour ne pas que les jus coulent et qu'on ait vraiment un. Après, il y a eu du sang. Voilà, donc. Les carottes là. Comme ça, parfait. Parfait. Tu mets un petit peu de blé juste dans la. Alors, je crois qu'on avait évoqué aussi de faire une petite touche finale assez sympathique. C'était de valoriser aussi un produit. On va diminuer là. Voilà, tu remets un petit peu. On va diminuer. Alors moi, pendant ce temps-là, je vais quand même aller m'occuper de nos petits fromages du pêcheur. Exactement.
Voilà, parfait, vide. Super, voilà, parfait. On va mettre quelques coques. Quoi, tu peux couper là, on peut couper sur les médaillons. Voilà. Viens juste bouillir la sauce. Voilà. Et là, tu vas mettre, tu vas nous rajouter quelques coques. Et Séverine va nous mettre le fromage du pêcheur. C'est un fromage à base de lait cru. Mais de vache. De vache, ben oui. Voilà. Voilà. Après, voilà. Donc, dans l'idée, on a trois maturités différentes. Et nous, on a choisi pour cette recette avec, de prendre avec le fromage intermédiaire. Intermédiaire, comme ça. Et en fait, de venir le poser sur notre assiette, voilà. Un petit peu comme des petits dés de feta. Exactement. Donc, je vais m'exécuter à le couper et à venir mettre sur joliment. Parce qu'il faut que la découpe soit propre. Voilà, exactement. C'est très bien comme ça. Voilà. Donc, on va en faire des petits cubes. Ouais, exactement, des petits feta, petites feta. Un petit jus de super. Et là, c'est magnifique. Bien, et moi, je vous mets la petite touche finale. Voilà. Donc il n'en faut pas non plus beaucoup. On va juste équilibrer l'assiette. Voilà. Je me permets d'en mettre un sur le petit bout. Voilà, très bien. Et et notre plat est terminé. Magnifique. Voilà. Je vous souhaite bon appétit. Bon appétit à vous, bonne dégustation, en espérant qu'effectivement cette alliance, gustativement, elle vous plaira.